Bonjour, bonsoir tout le monde, ça va de votre qui bon, qui le et qui côté vous attendez nous. Nous disons bienvenue sur le channel Haïtien sur côté A. Donc, côté que nous partageons un peu de vidéo avec un peu d'informations qui est important et nous portons une nouvelle vidéo pour nous suivre. Merci. Vous êtes capable de vérifier si l'immigration est approuvée ou déjà. C'est très simple, vous ne connaissez pas votre sponsor ou obtenu pour vérifier avec vous est-ce que vous avez approuvé ou déjà. Donc et ça fait me créer vidéo ça on va montrer nous qu'il est vraiment facile et pour nous capable vérifier ici qui dans quel processus et application y est et qui ça que l'immigration qui t'a fait déjà. Donc j'ai nous regarder là, ça c'est première façon hein, et façon ça c'est aller dans site USCIS là. Donc ben montrer nous qui j'en dit facile pour nous capable faire ça. OK, donc nous aller sur Google ou bien tout en ligne ou seulement taper case status USCIS case status. Donc et avec ce statut capable de dire qu'est-ce soit dans quel niveau lié ou seulement cliquer sur ça, j'en regarde qui vraiment facile ou seulement cliquer dans Google et puis l'apparaît pour un page par dans Google hein, c'est seulement lui-même ou cliquer et puis il y a mène nous dans page ça côté que on va demander nous pour entrer en numéro reçu. Donc moi même j'ai déjà là déjà m'a tapé lui. Là qui me fait taper lui seulement cliquer sur petit boîte ça qui marqué check status, ça veut dire vérifier statut hein. Après ça on fait on clique sur check là, OK. Donc et au ballon de seconde, donc on a la et page à ouvrir. Les gens qui ont reçu voir application moyen le 21 février 2023 et puis en main numéro reçu, OK. Donc on a peut dire moi ça qui il y a voyé yon reçu ma main mail et puis il y a dit moi qui l'autre étape yo va le franchir ensemble avec et application. Donc c'est vraiment facile, vraiment simple dans étape première étape là et deuxième étape là et c'est application que nous pouvons télécharger sur téléphone nous. Donc il y a plusieurs applications que vous pouvez télécharger, même choisir deux ça parce que ça j'ai une expérience avec yo, yo vraiment bon, yo en peu le monde utilise yo, pas aucun problème avec yo. Donc première qui c'est première application que nous gain là, j'en avais un écran qui c'est Case Tracker. Donc on y a là sur aller dans Google encore ou seulement cliquer sur Case Tracker USCIS, OK, ou faire quand tout ça ou taper li et puis on peser enter et puis enter li maintenant li l'apparaît là-bas toute information qui gagne dans Google de ça. Donc si mon il gagne un iPhone nan men li, ou bien tout un téléphone Apple mais que j'en vous download li nan pour mon qui un téléphone iPhone yo et puis l'apparaît comme ça, nous après li gagne et emblème ou bien tout symbole avec la sur li et puis j'en regarder là si c'est iPad ou bien si c'est iPhone nous gagne. Et il paraît nettement les paraît même gens, c'est même gens les dans Android ou bien tout iPhone et c'est pas grave pour ça. Donc et il est vraiment facile. Donc ça c'est et Case Tracker, c'est là que vous c'est là que vous capable vérifier et application. Et si mon a gagné Android ou bien tout Android, l'appliquer sur ça là et puis l'apparaît là. Donc et puis mais côté que mon ali a metté numéro qui sont ou bientôt reçu numéro reçu, OK, c'est très simple, on va seulement cliquer sur petit plus ça et puis l'appareil constante dit on ça qui entrer numéro 1 pour taper numéro 1, OK. Là que fin d'appel taper numéro 1 et puis deuxième étape là c'est vérification, OK. Donc et ben moi vérifier dans pam nan dans téléphone pam nan et puis il y a tout consacré dans quel niveau que vous yé ensemble avec caisse là. J'en ai regardé là et ça c'est un monde qui était sketch job capable dire consacré qui était gain rendez-vous le 30 décembre quand on marqué consacré c'est interview qui était faite et était gain fingerprint qui date que ça été approuvé. Vous comprenez c'est étape par étape ça, OK. Donc et ça lui même là montre qui s'accrivé et dans qui étape tu y ensemble avec application qui c'est deuxième qui c'est première application et deuxième étape là qui est le Case Tracker et puis toute information qui nous besoin
li ap nan aplikasyon an e ou kapab gen plus ki 15 numero resu ou bien tout case an ba aplikasyon an e ou kapab verifye tout sa ou net ki genyen an ba aplikasyon an ki vreman simple e ou kapab telechaje li pou iPhone ou bien tout pou Android e ou selman mette numero resu ki ou genyen ki vreman fasil et puis la base d'information. Et yon autre banro ke mwen renmen nan aplikasyon sa, c'est qu'elle ban pil information de immigration. Et jan ke nan gade la, li montre ke ki kote si gen plusieurs types de visa, tout ba sa ou si gen visa étudiant, visa travail, tout information sa ou yo update nan aplikasyon. Et on l'autre côté encore mwen renmen se resus yo. Aplikasyon sa charge resus. Je n'ai pas gardé là ou capable d'en cours et faire recherche pour un agent ou un office immigration qui tout près là pour qu'à joindre ni pas utiliser. Si vous utilisez l'application, ça qui est vraiment facile. Et ou capable changer adresse ou capable et checker pour processing times. Ça veut dire qu'on a là combien de temps pour processus n'a prend pour n'importe et cas ou gagner si c'est visa humanitaire on va checker parole là ou bien tout visa étudiant visa travail ou capable faire tout ça ou capable checker I-94 ou bien tout c'est I-94 là le ou approuvé na poa ou bien tout Miami OK ou capable prendre test info pass c'est là qui autant que ou schedule yon rendez-vous avec immigration. OK, c'est très simple, c'est vraiment facile et c'est